Je vis dans la peur. Mon voisin est armé et me menace constamment. Il convoite mon champ, ma rivière et mon bout de forêt. Dans son haut-parleur sous les arbres, il rugit pour m'effrayer et me crie des bêtises. Quelqu'un m'a suggéré, jette-toi à ses genoux, un crucifix à la main, et chante-lui des paroles d'amour. Ce que j'ai fait, mais il a donné un coup de pied à mon crucifix, a souillé ma robe blanche en hurlant, bientôt il te faudra décamper. Donc j'ai endossé de vieux habits pour me battre, et je me suis présenté devant lui avec mon fusil de chasse. Ça l'a fait rire. D'une claque, il a brisé mon fusil. « Déménage, va-t-il crier. Demain, j'envahis ton domaine. » Alors, bardé de cuir, la barbe bien rasée, souriant, propre et détendu, je lui ai dit « J'ai une bombe nucléaire derrière moi. Regarde. » Il a vu. Il est devenu blême. Pour la première fois, son souffle était saccadé. Il a voulu s'expliquer. J'ai dit « Non, dors. » Eh bien, c'est en haut-parleur. Terrifié, il est parti. Il a baissé le haut-parleur. Vers les années 76. Deviendrons-nous amis un jour? Je l'ignore, mais j'ai la paix. Mon compte est fini. Mais... Vous n'avez pas parlé de lui? Mais oui. Ben, vous n'allez toujours pas le comparer à une bombe nucléaire. Pourquoi pas? Notre arme de dissuasion, depuis 30 ans, ça a été qui au Québec? Qui a tenu tête? Qui nous a défendu? Qui a frappé? Qui a fait peur? Qui a fait réfléchir? Qui a fait évoluer les choses? Qui a demandé des excuses et les a obtenues? Qui a exigé que langue française, santé, instruction, compétence soient obligatoires? La fierté, mon inconnu, qui nous en a drogués? Qui a inventé l'homme nouveau appelé Québécois, qui fait des affaires jusqu'en Chine. L'homme nouveau libre, inventif, tranquille et tolérant, reconnaissable dans l'univers. L'homme nouveau qui change de branche sans changer d'arbre, dit que c'est Guy Moffett. Qui change de parti sans changer de pays. Celui qui nous quitte fait partie de la courte liste des libérateurs de peuples. L'histoire l'écrira. La seule vraie misère ici-bas, c'est de ne pas avoir de pays. Toutes les guerres sont faites pour voler celui qu'on n'a pas et garder celui qu'on a. René Lévesque est arrivé et a dit « Ne cherchez plus. Celui qu'on a sous les pieds sera le nôtre. Ni à vendre, ni à prêter, ni à piller. Respectant toutes les langues du monde, dont la sienne. Et maintenant, c'est un fait. Après 3 siècles, on a un pays, le Québec, planté dans le cœur à jamais. Mais le seul avenir véritable d'électricité qui permette le maximum de bénéfices et pour les consommateurs individuels et pour l'individu, si vous voulez, le citoyen, et pour les régions, au point de vue de leur développement industriel, c'est qu'il y ait un réseau électrique le plus unifié possible dans la province. Et ça, ça ne peut pas se faire autrement, je crois, logiquement, que par l'Hydro-Québec, qui est propriété de l'ensemble de la population de la province. C'est 4 points fondamentaux sur lesquels on s'est entendu sans restriction. Premièrement, on est d'accord pour la création d'un État souverain de langue française par l'action politique démocratique, d'y arriver à ça. Deuxièmement, que ce soit démocratique dans le domaine social et économique, autrement dit qu'on cherche par tous les moyens à rectifier les injustices sociales et économiques, et que ce soit dans le programme et dans la façon même de faire le parti. Troisièmement, que le Québec puisse être la patrie de tous ses citoyens, quelle que soit leur origine. Et ça, ça implique qu'on respecte aussi bien, si vous voulez, les droits fondamentaux de la personne, les droits de l'homme, que les droits des minorités reconnues, y compris les droits scolaires des anglophones chez nous. Les droits, pas les privilèges. Et puis, finalement, vu qu'on est dans un monde d'interdépendance, qu'on cherche à proposer au reste du Canada une association qui soit à la fois par traité, évidemment, mais qui soit à la fois du côté tarifaire et monétaire, c'est-à-dire pour les marchés comme pour l'équilibre monétaire des deux pays.
avec notre nouveau nom, là, il va falloir travailler à partir de ce soir et demain matin, puis sans arrêt. Il ne faut pas que ça devienne un nom gênant. À convaincre et à persuader le plus vite possible tout le monde de dire avec nous, nous sommes des Québécois. Chose qui est arrivée et qui est très grave pour une société démocratique. Ce gouvernement va avoir pendant 4 ans un pouvoir nettement exorbitant, un pouvoir démesuré. Il est très rare. Il faut l'espérer et l'engager fortement à le faire. Mais il est très rare qu'un gouvernement aussi caricaturalement puissant au Parlement n'abuse pas de sa force. Il faut espérer... Non, s'il vous plaît. Il faut espérer que le gouvernement libéral réussira, même si on n'a pas trop d'illusions, à ne pas abuser. C'est ce qui nous empêche de nous réjouir. C'est ce qui nous empêche de nous réjouir. De nous réjouir du fait que quand même, le Parti québécois, en deuxième période, si vous voulez, a réussi à obtenir cet objectif minimum qui fait de nous le seul parti d'opposition. Le seul parti d'opposition et aussi le seul parti reconnu après les libéraux, après la loi. Cette construction de notre pays, sur le papier d'abord, et aussi dans des esprits sans cesse plus nombreux, en attendant d'avoir enfin bientôt l'occasion de le mettre en chantier réellement, ce pays. C'est parmi les occupations les plus fascinantes qu'on puisse offrir à un Québécois. Et je crois que nous devons nous féliciter des résultats d'ensemble de notre travail dans cette étape nouvelle que nous venons de fournir. Il y a là en particulier des nouveautés qui comblent des vides importants dans l'expression, si vous voulez, de notre pensée collective. Et dans bien des cas, avec, encore une fois, au moins le courage d'être les premiers à se mouiller et à être concrets, qu'aucune formation politique au Québec n'a montré jusqu'ici.
Par exemple, ce statut, autant qu'il est politiquement possible de l'assurer, puis heureusement, ça couvre pas tout, mais ce statut de la femme dans la société, c'est le premier parti qui est tâché de déblayer cette question extrêmement complexe de la négociation sectorielle et des mécanismes concrets pour faciliter cette syndicalisation maximum qui est l'une des conditions de la paix sociale dont parle tellement le gouvernement Bourassa sans savoir de quoi il parle. Je ne croyais pas que c'était réalisable. Dans une société, admettons-le tous ensemble, et on en a donné des preuves, mais au moins on ose donner des preuves. Dans une société qui a toujours été tellement dépendante qu'elle fait encore ses classes presque élémentaires d'économie moderne, mais on les fait ensemble, nos classes. Et on a réussi à se donner un programme économique qui est enfin articulé, réalisable et progressiste en même temps. Et là-dessus, je trouve particulièrement injuste parfois certaines petites iniquités internes qui font semblant d'oublier les mérites particuliers. Là-dessus, je remercie au nom du parti pour le travail absolument décisif qu'ils ont fourni pour encadrer ce programme, d'abord dans le manifeste et pendant ce congrès, à mes deux collègues de l'exécutif, nos deux économistes dont nous pouvons être fiers, Parizeau et Joron. J'espère que nos concitoyens seront contents au moins de voir enfin, parce que tant de partis en ont parlé depuis le temps de M. Bertrand, de M. Johnson, mais on en parle sans oser définir, parce que c'est un effort de définir concrètement. Pour la première fois, on propose une hypothèse claire, nette et classique, pour ainsi dire, de régime présidentiel. Ça a tellement dérangé, ça comme le reste, nos adversaires que j'écoutais à midi, M. Bourassa s'est cassé, par hasard, j'étais en voiture. Et il a essayé, avec un humour, le moins qu'on puisse dire, problématique, de taper particulièrement sur cette définition politique des institutions que le Parti québécois venait de se donner. Je dois dire que ça faisait quand même quelque chose qui sortait d'une voix un peu fatiguée. Il avait l'air fatigué. Évidemment, je ne l'ai pas vu parce que, comme vous le savez, M. Bourassa, maintenant, on le voit presque uniquement en caricature, les journalistes. Mais au cours d'une réunion de deux jours qu'on a eue avec l'aile parlementaire pour d'autres problèmes internes du parti, essayer de rajuster ça, là, on est arrivé à une adhésion unanime, si vous voulez, ça a été endossé unanimement par tous les membres de l'exécutif et tous les députés, et ce sera envoyé par l'exécutif au Congrès comme une résolution pour essayer de clarifier le mieux possible une partie confuse de notre programme. Un gouvernement du Parti québécois est là, une fois élu, comment est-ce qu'il va procéder, si vous voulez, pour arriver à l'indépendance? Il y a une foule de choses qu'on ne peut pas prévoir, puis ça ne sert à rien de faire de la politicologie par anticipation là, sur ce qui va se passer en détail. Mais il y a des choses légitimes qu'il faut prévoir. C'est le temps de leur dire comme peuple, là, nous autres, là, c'est notre avis, ça. Bon, il ne s'agit pas d'être hostile, il ne s'agit pas d'être ennemi, il s'agit simplement de dire c'est notre affaire, puis voici majoritairement que nous disons oui, nous sommes d'accord, c'est le temps de la faire, l'indépendance. Le moment est arrivé, si vous voulez, d'y accéder. Si par hasard ce référendum-là, là, je sors de la résolution, là, mais la question se pose tout de suite, si par hasard ce référendum-là, s'il doit venir, était négatif, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore une majorité dans ce sens-là, on reste à ce moment-là. Le Parti québécois demeure le gouvernement. Il doit tout simplement remplir son mandat le mieux possible, jouer son rôle à la fois national et d'administrateur provincial, et puis choisir le moment propice, en faisant mieux son travail de persuasion, ça pour un deuxième, si c'est nécessaire, référendum. De toute façon, pour être bien sûr que la population, parce qu'on ne peut pas gouverner contre une population, surtout dans des cas comme ceux-là, est d'accord. J'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. Moi, j'étais près de lui. Il était heureux, bien sûr, très heureux. Mais il y a des joies qui sont lourdes.
J'ai senti dans son regard le poids énorme de la responsabilité historique qui lui tombait sur les épaules. Exigences comme ça, il n'y avait pas possibilité de rencontrer tous ceux qu'on voulait. Ce soir, je le sais, il n'y a pas possibilité non plus. Mais ceux qui sont ici, ceux d'entre vous, et sans que ce soit partisan, là, qui avaient travaillé avec nous, j'en ai rencontré beaucoup, ceux qui maintenant sont d'accord pour travailler avec nous aussi, avec l'étape qu'on vient de faire. Moi, je suis venu avec mes collègues là, qui sont maintenant un gouvernement, puis qui sont aussi une majorité parlementaire. Je suis venu pour vous remercier du fond du cœur. Et vous dire, écoutez, c'est pas tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est qu'on souhaite tout le monde ensemble bonne chance puis bon courage, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est extraordinaire ce que ça peut nous mener loin. Il faut garder. On n'aura pas toujours la fête, c'est évident. Je pense qu'on a le droit de fêter un peu ceux qui ont travaillé si longtemps. Mais il faut que... Il faut surtout qu'on garde l'élan qui nous a menés jusque-là. Et pas seulement le garder, il faut qu'on l'entretienne de façon à décupler cet élan-là si on veut arriver à ce Québec dont vous parliez. Puis il faut qu'on y arrive, puis on va y arriver tous ensemble. Puis... On va y arriver, comme on l'a dit, amis de tout le monde. Il va falloir se persuader entre nous. Il va falloir le faire. Non pas par les appels à la nervosité, non pas par les appels aux vieilles, si vous voulez, craintes ancestrales qui ont trop servi, mais simplement comme des gens qui aiment leur pays, c'est notre pays, puis qui sont rationnels en même temps. Des gens qui vont arriver démocratiquement, librement, puis on ne sera jamais aussi fiers que ce jour-là, si on peut y arriver ensemble, librement, démocratiquement, en se donnant notre opinion à tous, à la face du monde, à posséder notre pays, comme c'est normal pour n'importe quel peuple. Et pour commencer à travailler sur l'autre plan pour lequel on a été élu quand même, et là c'était très clair, puis pour essayer de donner tout de suite le meilleur gouvernement possible, puis j'ai pas besoin de vous dire qu'on attend votre appui. Ce scrutin nous demande d'urgence de voir clair dans la situation financière, dans l'état du budget, de mettre fin partout où on le trouvera au gaspillage qui nous a dangereusement emporté ces dernières années, et puis le plus vite possible de réorienter toutes nos ressources et toutes nos énergies disponibles vers les besoins sociaux et économiques les plus importants et les plus pressants. Il s'agit, par exemple, et d'abord, de penser à un développement économique qu'il faut trouver le moyen d'accélérer. On peut même dire de faire repartir en ce moment. Et finalement, on a dit aussi qu'il fallait, puis je pense que tout le monde en est conscient, un gouvernement humain comme jamais. Ça veut dire qu'il faut s'occuper d'abord de ceux qui ont le plus besoin du gouvernement. Et Pierre Marois répète souvent l'expression qu'on a employée tous les deux, il faut qu'on se considère, puis ça s'applique aux partis aussi, qu'on se considère tous comme le premier des services publics. On a maintenant la responsabilité du pouvoir, comme ça se dit couramment. Ce pouvoir-là, c'est l'instrument de changement, de changement de priorité, de changement d'orientation. Il faut un nouveau départ. Mais dans ce nouveau départ-là, il faut qu'on fasse un effort comme jamais auparavant pour ne pas laisser derrière ceux qui sont les plus mal pris, ceux qui ont le plus besoin que la société se souvienne de leurs problèmes ou des fois de leurs douleurs aussi. Ainsi donc, vous venez de vous élire un conseil exécutif national qui va avoir beaucoup de besognes devant lui, vu les échéances politiques fondamentales qui pourraient tomber au cours de son mandat et à cause aussi de l'effet social et politique que vont fatalement avoir certains des votes donnés aujourd'hui. Aussi longtemps que le pouvoir
va durer une certaine tension permanente. Une tension qui peut d'ailleurs être extrêmement féconde, à condition qu'on la vive franchement, qu'on n'ait pas peur de la voir quand elle est là, et surtout qu'on n'ait pas peur puis qu'on n'hésite jamais à se l'expliquer au besoin et à la résoudre entre nous. Encore une fois, c'est un gros défi à relever, mais je suis sûr qu'on est capable de le faire. Surtout si on n'oublie pas encore une fois que ce pouvoir qu'on nous a confié, c'est la propriété de tout le monde. Qu'il y a des propriétaires partout. Il y en a dans les grandes villes. Il y en a aussi dans les petites villes. Il y en a dans le monde rural. Et là, partout, on a eu une certaine confiance assez substantielle en nous il y a 6 mois pour nous envoyer au gouvernement. Et maintenant, ils ont tous le droit de juger ce que nous en faisons de cet instrument et la façon dont le parti prétend l'orienter, cet instrument. Et ce droit de juger, les Québécois ne s'en priveront pas. Que le Québec est dans une stagnation qui, à l'occasion, leur fait dire le régime, si on ne le change pas, c'est quasiment comme si c'était la noyade ou le naufrage du Québec, ben je leur ai demandé, je me suis permis de leur demander de regarder la réalité. C'est que Québec est une société développée, comme on dit. Mal développée à notre point de vue, qui ne développe pas tout son potentiel loin de là, puis qui est souvent distordu par rapport à toutes sortes d'intérêts divergents, souvent manipulés de l'extérieur. Mais le régime d'entreprise n'a pas empêché que quand on évalue ce que représente le Québec dans le monde, là, comme réalité, si mal développé à notre point de vue qu'il soit encore, et dans la période de stagnation actuelle qu'on partage avec beaucoup d'autres, ça n'a pas empêché qu'on se situe à peu près, au point de vue niveau de vie, au 12e ou entre le 12e et le 14e rang parmi 150 et quelques pays du monde. Moi, je me souviens qu'il y a 15 ans, c'était cette année aussi, il y avait la nationalisation, c'est-à-dire l'amplification de l'hydro à l'échelle nationale. Ce que ça veut dire, c'est la preuve concrète, là, que ce soit dans la centrale qui est là, dans l'aménagement sur 2 rivières, le complexe qui, pendant des années et des années, a été la plus grande réalisation de génie au monde, Manick Outard. Aujourd'hui, c'est la baie James qui va à son tour prendre le premier plan. Et pendant ce temps-là, c'était de voir, à partir de choses aussi tangibles que ça, moi j'ai toujours aimé ça, venir ici dans les années 60, au temps de M. Lesage, à Manic 5 et ailleurs, pour voir sortir de terre des ouvrages gigantesques où il y avait du génie, là, au sens propre du mot, là, à tous les sens. Au sens fort. Au sens fort, si vous voulez. Du génie québécois qui se développait et qui nous permettait de corriger des vieilles images nés dans la dépendance, je veux dire, dans l'extrême dépendance d'infériorité, etc., parce que c'est le Québec qui a fait ça, c'est le Québec qui a fait ce complexe qu'on vient de tous les coins du monde, non seulement admirer, mais étudier aussi, parce qu'il y a tout le long du complexe Manick Outard des réalisations qui ont été des premières en leur genre, et ça nous a permis, dans Québec, d'éprouver notre savoir-faire, notre know-how, comme disent les Anglais, de bâtir des corps, une sorte de pépinière qui a profité à beaucoup d'autres après, d'ingénieurs, de gestionnaires, tout ça, qui ont fait leur preuve, à tel point d'ailleurs que très bientôt, il va y avoir une hydro internationale. C'est-à-dire que le noyau de connaissances, de compétences de l'hydro va pouvoir être mise avec évidemment d'autres intérêts québécois s'ils veulent se joindre à l'hydro, mise sur les marchés internationaux, parce que parmi les grandes exportations, celles qui peut-être ont... Parmi celles qui ont le plus d'avenir, il y a l'exportation de compétences. Beaucoup de pays qui en ont besoin. Et à ce point de vue-là, je pense que tout le monde admettra que l'hydro, grâce à des milliers de gens qui ont travaillé à tous les niveaux dans des choses comme ça, c'est devenu un peu le navire amiral de la compétence québécoise. C'est ça. Monsieur le Président,
C'est avec une certaine émotion, on le comprendra. Une émotion au fond de laquelle je ressens surtout une grande fierté que j'ai l'honneur d'ouvrir ce débat à l'Assemblée nationale, car jamais probablement notre Parlement n'a mérité de s'appeler national comme en ce moment et pendant les jours qui viennent. Et j'espère que toutes les astuces parlementaires du député de Bonaventure qui vient de nous évoquer le spectre de ces points de règlement ne nous empêchera pas, dans un contexte comme celui-là, d'évoquer l'ensemble de la question. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la question qui sera posée au référendum, il s'agit très spécifiquement de la question du Québec lui-même. En dépit de la confiance que nous ressentons, nous tous ici, et nous tous partout au Québec qui proposons le oui au référendum, je dois avouer cependant que c'est quand même une fierté un peu inquiète que nous ressentons. Nous n'avons pas l'habitude de rendez-vous comme celui du référendum. C'est la première fois de toute notre histoire que se présente une telle occasion de décider par nous-mêmes, collectivement, de ce que nous voulons être et de la direction que nous voulons prendre pour l'avenir. Il y a des gens, hélas, c'est leur droit, mais je dis hélas quand même, qui semblent bien décidés à tout faire pour que cette occasion soit ratée. Des gens qui vont, par exemple, sans crainte de se contredire, tâcher de faire croire à la fois que cette étape est insignifiante et en même temps qu'elle est trop redoutable. C'est pourquoi la fierté que nous ressentons déjà, elle ne sera vraiment sans mélange qu'au soir de ce jour, où après avoir étudié tous ensemble, non pas seulement la question qui est posée, justement, mais jusqu'en ses moindres replis, la question du Québec lui-même, de son évolution, de la situation que cette évolution nous a faite, de nos aspirations et de nos perspectives, et qu'alors, tous ensemble, nous nous serons prononcés. Nous aurons alors posé un geste qui, de toute façon, et quoi qu'il advienne, demeurera historique, puisqu'en soi, le référendum va constituer le premier exercice par le peuple québécois de ce droit fondamental de tous les peuples, qui est celui d'orienter eux-mêmes leur destin, et qu'on appelle couramment le droit à l'autodétermination. C'est donc, en soi, une étape cruciale dans le développement du Québec. Et ce qui nous inspire surtout confiance, quant à nous, qui proposons la question au référendum, c'est que cette étape vient à son heure. L'idée n'est pas nouvelle. Il y a plusieurs personnalités qui avaient déjà évoqué l'hypothèse du référendum pour les choix politiques les plus importants. Mais jusqu'à présent, ça ne s'était pas concrétisé. Les temps n'étaient pas mûrs. Mais au fond, on savait bien qu'il fallait que ça vienne un jour. Comme on sait qu'un jour, un fruit doit être cueilli si on ne veut pas qu'il pourrisse sur la branche. Comme on sait qu'un jour, chacun doit assumer aussi sa maturité avec les responsabilités qui l'accompagnent. C'est ce que nous avons d'ailleurs tâché d'exprimer à la toute première page du livre blanc que le gouvernement a publié il y a quelques mois. Dans l'histoire des peuples, comme dans la vie des individus, surviennent des moments décisifs. Ces moments décisifs sont rares. Heureusement, pourrait-on dire, car ils s'accompagnent presque toujours d'une certaine angoisse. Même quand le chemin nouveau qui s'offre au carrefour est bien plus prometteur que l'ancien. D'instinct, on est d'ordinaire porté à en exagérer les embûches. Et naturellement, la peur du changement fait chercher des attraits inédits aux vieux sentiers sans horizon. Pour réussir, il faut surmonter cette crainte. Et c'est vrai aussi dans le domaine économique, et ça, c'est peut-être plus spectaculaire que tout le reste, parce que c'est là que nous avions accumulé, et c'est là qu'on nous avait soigneusement injecté les plus solides complexes d'infériorité. Je me souviens encore, le député de Bonaventure doit s'en souvenir aussi, il était là, des années 60, alors que, dans des circonstances quasi-référendaires, on discutait de la reprise en main de l'électricité. Combien de gens il y avait qui s'acharnaient à nous dire qu'on ne serait pas capable, qui s'acharnaient à répéter que construire nos barrages nous-mêmes, unifier et administrer nous-mêmes un grand réseau de distribution, c'était au-delà de nos forces. Et pourtant, aujourd'hui, l'Hydro-Québec est non seulement en quelque sorte un navire amiral pour l'économie du Québec, mais se situe à coup sûr à la pointe, mondialement, de toutes les entreprises du secteur. Et quant à Sokem, dans le domaine minier, pour prendre juste un autre exemple,
Sauf erreur, elle récupérera cette année, en une seule année, le total de tous les fonds que l'État lui a avancés depuis sa création. Et en même temps, parallèlement, partout dans nos régions, on a vu surgir et on voit surgir de plus en plus nombreuses des entreprises nouvelles ou des entreprises en pleine expansion. En termes de compétences, d'efficience, d'initiative et d'audace, on assiste ces années-ci à une véritable métamorphose. Comme beaucoup d'autres, je suis allé voir ça un peu partout, en Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la Beauce, bien sûr, en Estrie, dans les Bois-Francs. Et c'est vrai aussi, et on en a la preuve tous les jours, dans les régions métropolitaines où c'est moins facile à percevoir parce que, évidemment, on se connaît moins. Mais là également, c'est bien réel. Et on le voit à mesure que les projets passent devant, sous nos yeux. Et alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est de là que nous venons. Avec tout ça, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous en sommes au point, très simplement, où dans aucun des grands secteurs de la vie en société, sans nous prendre pour d'autres, il nous est interdit désormais de nous prendre pour moins que ce que nous sommes. Il est interdit de penser que nous serions, que nous ne serions pas aussi capables que quiconque de prendre nos affaires en main, et très certainement mieux équipés pour le faire que n'importe qui d'autre quand justement il s'agit de nos affaires. Nous sommes maintenant dans le peloton de tête des pays qu'on dit avancés. Nos ressources humaines sont de plus en plus compétentes et inventives. Grâce à une solide tradition d'épargne, nous avons accumulé tous les capitaux requis pour assurer nous-mêmes l'essentiel de notre développement. Nos ressources naturelles, qui sont encore inexplorées dans une foule de coins du territoire, nous garantissent une base physique parmi les plus riches et les plus diversifiées au monde, à condition de l'entretenir avec soin. Nous avons la fortune à perpétuité dans l'un des plus vastes de tous les domaines forestiers. Sur le plan de l'énergie, où l'on parle sans cesse actuellement, et trop souvent pour nous redonner des complexes, du pétrole de l'Alberta. D'ici quelques brèves années, nous produirons au Québec 25 000 mégawatts d'électricité, au moyen de centrales thermiques conventionnelles auxquelles d'autres ont dû se river depuis longtemps. Il faudrait chaque jour 700 000 barils de pétrole pour obtenir le même rendement, ce qui représente déjà, en attendant la suite, la moitié de la production annuelle de l'Alberta. Or, tout ça n'est pas le fruit du hasard, et ce n'est pas non plus lié. Et en particulier, tout ce renouveau et cette fécondité des 25-30 dernières années, ce n'est pas non plus lié au régime politique dans lequel nous vivons. Il faut dire, en fait, que c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Si nous faisons aujourd'hui partie des pays hautement développés, et que parmi 150 autres dans le monde, ça nous donne le 14e rang en ce qui concerne le niveau de vie. C'est grâce, d'abord et avant tout, grâce à nos efforts ici au Québec, grâce à nos ressources, grâce aux capacités que nous avons su développer, que nous sommes arrivés jusque-là. Et s'il n'y avait pas eu en même temps les entraves, les complications et les trop fréquentes iniquités du régime fédéral tel qu'il est, nous y serions parvenus plus rapidement, moins difficilement, et nous serions rendus aujourd'hui pas mal plus loin. C'est pourquoi nous disons maintenant qu'au lieu de ce régime qui est dépassé, dont tout le monde admet que tel quel il est dépassé, à commencer par nos amis d'en face dans leurs livres beiges et dans divers autres documents qui ont émané de leurs réflexions, qu'au lieu donc de ce régime dépassé, et sans renier pour autant une longue tradition de coexistence qui a créé tout un réseau d'échanges, nous nous devons d'arriver avec nos voisins et partenaires du reste du Canada à une nouvelle entente d'égal à égal, c'est-à-dire la seule voie qui puisse être l'aboutissement normal de notre évolution, la seule qui puisse répondre aux exigences du présent et la seule, surtout, qui puisse nous assurer dans l'avenir un progrès continu et sans cesse plus vivifiant. Notre conclusion à nous, en effet, c'est qu'il faut enchaîner maintenant, en pratique et non plus seulement en parole, sur cette longue et tenace continuité des revendications québécoises. Des revendications au fond desquelles,
constamment, nostalgiquement. On tournait autour, on n'osait pas aller jusqu'au bout de sa pensée. Mais constamment se trouvait la notion absolument centrale d'égalité entre deux peuples. C'est à cela, au fond, que visait, pas si confusément que ça, M. Duplessis quand il parlait de ramener chez nous notre butin. M. Godbout lui-même, je vais en surprendre plusieurs. On lui a fait tellement une mauvaise réputation, historiquement. M. Godbout lui-même ne proposait-il pas en 1948, et en toutes lettres, la tenue d'un référendum pour en arriver, et je cite, tenons-nous bien, à une entente d'égal à égal entre le Québec et le Canada. Fermez les guillemets. Il y a 32 ans de cela. Je passe par-dessus le maître chez nous de M. Lesage et du gouvernement des années 60, de l'égalité ou indépendance de Daniel Johnson et du gouvernement de la fin des années 60, par-dessus la souveraineté culturelle de M. Bourassa dans les années 70, et je me contenterai d'évoquer un peu plus longuement l'affirmation très concrète de la commission Laurando-Dunton, et ça, ça remonte à 1963, il y a 17 ans. Une affirmation dont personne, depuis lors, n'a égalé ni la vigueur, ni la clairvoyance. Ce qu'écrivait dans ce rapport préliminaire André Laurando, Davidson Dunton et leurs collègues, c'était entre autres ceci. Les principaux protagonistes du drame, qu'ils en soient pleinement conscients ou non, sont le Québec français et le Canada anglais. Et il ne s'agit plus du conflit traditionnel entre une majorité et une minorité. C'est plutôt un conflit entre deux majorités. Le groupe majoritaire au Canada et le groupe majoritaire au Québec. Cela revient à dire que le Québec francophone s'est longtemps comporté un peu comme s'il acceptait de n'être qu'une minorité ethnique privilégiée. Aujourd'hui, le Québec se regarderait lui-même comme une société presque autonome et s'attendrait à être reconnu comme tel. Cette attitude se rattache à un espoir traditionnel au Canada français, celui d'être légal comme partenaire du Canada anglais. Sur ce, il faut se demander brutalement ce que serait la portée du oui et du non, ce que l'un ou l'autre annoncerait comme avenir prévisible. Je pense que beaucoup de Québécois, ils sont chaque jour plus nombreux, sauf erreur, ont déjà pris conscience de ce que signifierait une réponse négative. Elle consacrerait à nouveau, et pour longtemps, le lien de dépendance du Québec par rapport à la majorité anglo-canadienne. Elle consacrerait à nouveau, et pour longtemps, le statut d'inégalité du peuple québécois, et puis encore, une situation de plus en plus minoritaire au sein de l'ensemble fédéral. Ce serait la continuation, sinon la perpétuation, des conflits interminables, des cul-de-sac fédéraux-provinciaux, des chevauchements innombrables dans lesquels se dilue la responsabilité et dans une stérilité sans cesse croissante se gaspille tant d'énergie, de ressources et de temps. Ce serait aussi la permanence de politiques fédérales qui, trop systématiquement, créent surtout de l'emploi et du développement ailleurs et prétendent compenser chez nous par l'entretien du sous-emploi et du sous-développement relatif. On me permettra à ce propos, et je pense que c'est un pensez-y bien pour quiconque, de citer un extrait d'une étude qui a été commandée en 1977 par le premier ministre d'alors au fédéral, de nouveau premier ministre, sur les interventions d'Ottawa au Québec. Les conclusions de cette étude, qui porte sur les activités de 100 ministères et agences fédérales durant la période 67-76, sont terriblement claires. Le gouvernement fédéral, y lit-on, il s'agit d'un document, comme on le sait, qui ne devait pas être publié, mais comme il arrive de plus en plus à notre époque, a connu une fuite qui nous a permis à tous de savoir ce qu'il y avait dedans.
On lit donc dans ce document, le gouvernement fédéral crée souvent des conflits avec Québec en intervenant sans connaître les bases constitutionnelles ou même les conséquences probables de ses actions. Un peu plus loin, les ministères fédéraux souvent ne consultent pas Québec, même lorsque les programmes sont d'un intérêt particulier pour lui. Et encore, il apparaît évident qu'il y a peu d'instances où le ministère ou l'agence fédérale était conscient des effets de ses activités sur la population du Québec ou sur les priorités, les politiques ou les programmes québécois. Et puis enfin, ce dernier extrait, il est même rare qu'on ait tenté de prévoir les effets de ses activités avant qu'elles ne soient entreprises. Comment imaginer, dans un contexte où c'est enraciné comme façon de voir les choses, que le non puisse être autre chose que la justification à l'avance du blocage constitutionnel, qu'il puisse annoncer autre chose que l'arrêt du mouvement historique dans lequel veut, veut pas. Nous sommes engagés parce que c'est le mouvement même de la vie. Bref, le non au référendum est peut-être québécois, comme le dit assez tristement le calembour dont accouchait ces jours derniers le congrès du Parti libéral provincial. Mais ce serait du Québécois replié, désuet, tassé frileusement sur la peur de s'assumer et l'incapacité de faire face à l'avenir. Et pour bien des lunes, ce serait l'impossibilité de faire prendre vraiment au sérieux, par quelque interlocuteur que ce soit, même quelque chose qui a autant peur d'affirmer le Québec, qui semble même avoir autant honte de nos aspirations les plus légitimes, les plus répétées, les plus enracinées que ce livre beige auquel nos amis d'en face viennent de se résigner officiellement. Face à cet appel à l'immobilisme et à la stagnation, le oui, c'est l'assurance enfin d'un déblocage. C'est l'ouverture à un changement qui s'inscrit dans la continuité du développement et de la maturation de tout un peuple. C'est la claire proclamation d'une volonté d'égalité et d'égalité vécue ailleurs que seulement sur le papier. C'est la condition d'une certitude définitive pour la sécurité culturelle, avec des chances de plein épanouissement de cette culture, de l'identité qu'elle a forgée au cours des générations, et du développement de tout ce potentiel proprement illimité pour lequel, comme toutes les sociétés, c'est sur nous-mêmes d'abord que nous devrons compter. Et ce oui, c'est en même temps un meilleur équilibre et un partage plus équitable dans le partnership économique avec le reste du Canada. Il permettrait d'éliminer des facteurs qui ont entravé notre développement sur bien des plans, et en particulier sur le plan économique. Voilà ce que peut amorcer, et très vite, une réponse positive. Car voilà ce que contient en perspective la question qui est proposée. Et c'est la promesse qu'elle renferme et que toutes les déformations qu'on va tenter de lui faire subir ne pourront pas effacer. Or, depuis le début de l'année surtout, on l'a vu s'amorcer, peu à peu, un peu partout au Québec. J'ai pu le constater dans plusieurs régions au cours des tournées que nous avons eues à faire, une solidarité qui essaye de s'affirmer au-delà des affrontements. Il y aura toujours des affrontements dans n'importe quelle société, il y aura toujours des problèmes, des intérêts qui se cognent, qui s'entrechoquent. Et même, ce qui est encore plus extraordinaire, une solidarité qui cherche à passer par-dessus et au-delà des compartiments partisans. Et là-dessus, je dois dire avec une certaine tristesse que j'ai entendu, pendant la fin de semaine, un morceau du congrès des libéraux provinciaux, j'ai entendu le député de Bonaventure raconter avec son brio, qui parfois déguise admirablement ses intentions, raconter que c'est peut-être parce que nous avions honte de notre parti, si nous tâchions nous-mêmes, afin de rejoindre cette soif de solidarité qui se dessine, de nous conduire aussi exclusivement que possible comme des Québécois, et rien de plus, mais rien de moins. Et je dirais simplement, député de Bonaventure, qu'il n'est pas question d'avoir honte d'un parti qui a réussi, en 13 années de croissance aussi difficile et pleine de sacrifices tout le long du chemin,
qui a réussi une croissance sur un terrain politique encombré, comme on le sait, par les vieux partis, et qui, depuis 3 ans et demi, a tâché de fournir au Québec un gouvernement aussi convenable que possible, de remplir tous ses engagements, et qui va continuer de le faire jusqu'à la fin du mandat actuel du gouvernement. Mais devant cet engagement, entre autres, qui est non-partisan de nature quant à nous, parce qu'il est tellement lourd de conséquences pour toute la collectivité, cet engagement que constitue le référendum, quant à nous, en tout cas, nous allons persister jusqu'au bout à oublier un peu ce que Mercier, tout là-bas, au siècle dernier, appelait déjà nos luttes fratricides. Et je suis profondément convaincu que ceux qui l'auront fait, y compris au fond d'eux-mêmes, certains de nos amis d'en face, seront fiers comme jamais au soir du référendum, lorsqu'une solide majorité de la population aura dit oui. Oui au Québec, oui à sa maturité présente, oui à toutes ses chances d'un avenir libre et responsable. Merci. Vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Mais en attendant, avec la même sérénité que tout notre comportement pendant la campagne, il faut quand même avaler cette fois-ci, c'est pas facile. Je m'excuse d'avoir attendu pour venir vous trouver. Je dois vous avouer que on continue à espérer pendant longtemps parce que c'est... Je dois vous dire que c'est dur, ça fait mal plus profondément que n'importe quelle défaite électorale. Et je sais de quoi je parle. Je dois vous demander d'écouter un tout petit peu ce que je crois qu'on doit se dire à la fin de la campagne. Il est clair, admettons-le, que la balle vient d'être envoyée dans le camp fédéraliste. Non. Le peuple québécois vient nettement de lui donner encore une autre chance. Il appartiendra dans les semaines et les mois qui viennent aux fédéralistes et d'abord à M. Trudeau lui-même. Il leur appartiendra de mettre un contenu dans les promesses qu'ils ont multipliées depuis 35 jours. Ils ont tous proclamé que si le non l'emportait,
le statu quo était mort et enterré. Et que les Québécois n'auraient pas à s'en repentir. En attendant de voir ce qui s'en suivra, en attendant de voir ce qui s'en suivra, cette victoire du non, même si je dois répéter, parce qu'on s'en souviendra à ce point de vue-là, qu'elle est peu reluisante sur le plan du contenu comme sur celui des méthodes, et en particulier cette campagne scandaleusement immorale du fédéral lui-même. Cette campagne par laquelle on a piétiné, sans la moindre hésitation, toutes les règles du jeu que nous nous étions données entre Québécois, cette victoire du non, malgré tout, il faut l'accepter. Ce n'étaient que des colonies qui allaient devenir des provinces. Ce n'étaient que des colonies, mais on les a longuement consultées à l'époque. On leur a permis de longuement discuter. Et parmi les conditions posées, essentiellement par nos ancêtres du Québec, il y avait celle-ci, qui était d'avoir chez nous notre propre Parlement, que ce Parlement ait des pouvoirs et des compétences sans lesquelles le Québec n'aurait jamais accepté de signer le contrat. Et il avait parfaitement le droit de ne pas accepter le contrat. Ce Parlement-ci, à Québec, qui est le seul centre de décision politique qui appartienne en propre au peuple québécois, cet instrument, déjà si pauvre, si largement démuni, dont tous les gouvernements du Québec, qui nous ont précédés depuis le début du siècle, ont souligné l'insuffisance, ce Parlement déjà si pauvre, il aurait accepté de se laisser encore diminuer et se serait condamné lui-même à l'insignifiance. Et toute la population qu'il représente se trouverait du même coup réduite à une portion encore plus rabougrie que jamais de dignité et de moyens de défense collectif et même aussi de chance dans la vie, y compris dans la vie économique. Il n'est pas question pour ce gouvernement, ni pour la majorité ministérielle, tant qu'ils seront là l'un et l'autre. Et j'espère que toute l'Assemblée nationale sera d'accord là-dessus. Il n'est pas question d'évacuer quelque champ que ce soit de nos compétences législatives, ni de renoncer à faire, dans l'intérêt de nos concitoyens québécois, tel que nous le percevons et chaque fois qu'il nous apparaîtra clair, les meilleures lois, les meilleurs règlements, les meilleurs programmes que nous pourrons préparer, même si ça devait mener à la démonstration par l'absurde de l'invivabilité du nouveau régime dans lequel on prétend nous enfermer.
raison fondamentale, bon, je pense, une double raison. La première est une raison permanente, c'est que on est arrivé à la conclusion qu'après toutes les rondes successives qui sont déroulées depuis 18 ans, quoi, dans le secteur public, et en particulier dans le domaine de l'éducation, c'était devenu absolument, non seulement incontrôlé, on a tous participé à ça, je pense bien qu'on peut faire notre meilleur coup de pas, nous aussi, pour les négociations de 79-80, mais c'était rendu incontrôlé à un point où ça devient une farce de parler de la qualité de l'enseignement quand on a des conventions de modèle industriel. Il y a des choses absolument intolérables au point de vue du minimum de cohérence d'administration dans tout le secteur public à cause de cette accumulation de ce qui est devenu des droits acquis. Alors, de façon permanente, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument que pour une fois, le gouvernement soit en demande, comme on dit dans le jargon des négociations, c'est-à-dire qu'on demande tout simplement qu'on résorbe une partie au moins de ces avantages, si on veut, entre guillemets, que la partie syndicale s'était fait consentir au cours des ans et qui rendait l'administration publique ou l'administration de l'enseignement très spécialement presque impossible de façon efficace. Deuxièmement, il faut bien l'avouer, relié à ça, une raison financière. Il y a quelque chose comme 300 millions, dont une centaine de millions dans les trois prochains mois, là, ce que vous évoquiez là, d'ici au printemps. 300 millions seulement dans le secteur de l'éducation, où aucun effort de compression n'avait pu être fait depuis deux ans, qui sont impliqués dans ces compressions normatives, si vous voulez, du côté des conditions de travail. On a cru qu'il fallait le faire. C'était loin d'être la chose la plus décourageante de l'histoire. 40%, 41%. Il paraît qu'on est quasiment revenu à ça là, dans les sondages à Watch chez nous, à supposer. Mais c'est quand même 41%, et c'est pas 60, c'est pas 50. Là, on a fait l'erreur du siècle. C'est là qu'on l'a fait. Puis, je l'ai dit, et entre nous, c'est pas toujours facile d'admettre meilleur culpa, meilleur maxima culpa. Moi, le premier, comme d'autres, mais moi, le premier, j'ai charrié et j'ai perdu les pédales. Parce qu'on était en beau, maudit. On avait perdu le référendum, ben ça, t'en perds, t'en gagnes, comme disait Jean-Jacques Bertrand. Mais c'est Trudeau, qu'est-ce qu'il a fait avec notre défaite? Il a focaillé tout ce qu'il pouvait. Il peut toujours se promener aujourd'hui, là. Un jour ou l'autre, il l'emportera. Ben, il va l'emporter en paradis, mais j'y souhaite paisiblement, mais il va payer quelque part, certain. Il a tout pris ça, puis il a tout tordu ça en fonction de ses idées fixes. Et là, on a perdu les pédales. On dit, c'est pas possible d'être aussi malhonnête. Faut jamais sous-estimer le potentiel de malhonnêteté de qui que ce soit, passé un certain point. Donc, il a tout organisé son affaire, prévu d'avance, Machiavel de broche à foin, et il nous a menés au pied du mur, puis on a perdu nos culottes. Et là, on est venus fous, littéralement. Alors, le parti, on est tous venus fous, parti avec, forcément. Puis là, d'un congrès à l'autre, depuis 81, c'est pas compliqué, on charrie. Faut tout de même arrêter un jour de charrier, sinon, forcément, on va se suicider. Nous sommes en effet, à toutes fins utiles, revenus aux sources. C'est-à-dire que nous sommes toujours, comme depuis le début, des souverainistes. Mais des souverainistes, mais avec le réalisme que commande la situation plus que particulière que l'histoire et la géographie ont faite au Québec. Ce n'est pas pour rien que dès le départ, il y a 17 ans, on évoquait non seulement des États associés, mais même, souvenez-vous, une sorte de nouvelle communauté canadienne. On pouvait déjà flairer, en effet, que ce ne serait jamais, quels que fussent les caprices de l'évolution, un résultat d'une harmonie cartésienne. Le cynisme, la mauvaise foi et les obsessions de fossoyeurs
qui régnait jusqu'à récemment à Ottawa, avait même fini, quand même, hélas, nous le savons maintenant, par nous tournebouler quelque peu, nous autres aussi, et par nous transformer un certain temps en terribles simplificateurs à notre tour. Nous avions même commencé à nous infliger dangereusement une allure de ghetto. Aujourd'hui, nous venons de nous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et nous redevenons des souverainistes démocratiques, fiers de croire à cette option qui ne constitue en fait que le plein épanouissement auquel a droit un peuple aussi enraciné, aussi doué, aussi parfaitement distinct que le peuple québécois. Ce que vous venez de me signifier par un cadeau éminemment royal, lui va en rester, alors je pense que le parti va avoir besoin de ce qui reste. Ce que vous venez de me signifier aussi, parce que Nadia m'a passé une carte inaltérable, bonne à jamais, ça signifie jusqu'à un certain point ne partez pas sans elle. Et là-dessus, vous n'allez pas à vous faire de soucis, je ne l'oublierai jamais. Donc, je suis d'accord avec ce message et aussi avec la fin du message que j'ai saisi dans quelques médias d'information depuis quelque temps. Ne pars pas sans elle, mais pars, par exemple, hein? D'ailleurs, après la quasi-nécrologie abusivement hyperbolique et à certains moments impudique qu'on vient de vous présenter et qu'on vient de m'administrer, surtout, moi, qu'on traitait déjà ce matin de monument parce que j'étais, par hasard, obligé d'être au Musée des Beaux-Arts. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire? Je veux partir. Et tout ça, toutes ces entourloupettes, c'est pour vous dire autant qu'on peut dire ce qu'on sent. Merci quand même. Merci de tout cœur. Comme je disais l'autre jour aux amis de Taillon qui m'ont enduré pendant 9 ans, pas loin, avoir su que ce serait comme ça, je serais parti bien avant, et même peut-être plusieurs fois. Et vous me forcez quasiment à me dire, mais juste dans mon fort intérieur, ben ma foi, sait-on jamais? Comme vous le savez, chacun a sa façon de réagir aux grandes émotions. Alors, vous allez apprécier. Vous, surtout, là, qui, l'un ou l'autre, serez bientôt à ma place, vous allez apprécier l'homme stoïquement, héroïquement, respectueux des règles que je suis devenu pour ce soir. De même, y avait-il tout à l'heure dans cette salle, et vous là-bas, au petit écran, certaines choses bonnes à se rappeler. Celles surtout qui, en racontant apparemment seulement le passé, parlent encore aussi pour l'avenir. Cet engagement à respecter le rythme du changement tel que les Québécois le désirent et dont eux seuls sont maîtres. Mais en même temps, à ne jamais perdre de vue l'objectif, au-delà de toutes les péripéties constitutionnelles possibles ou même parfois inimaginables. Ni perdre de vue, ni perdre de contact avec cet objectif,
d'aider notre peuple à finir de se faire un pays complet et reconnu. Pays simplement reconnu parce que le pays réel, le pays de chair et de terre, il faut vraiment être ailleurs de quelque façon pour ne pas le voir s'étaler sous nos yeux. Et il le sait bien, il sait, lui, qu'il existe. Mais c'est un peu comme le contraire d'il y a un instant, on ne peut pas dire tout ce qu'on sent. Lui, il le sent, le pays, mais il n'est pas encore prêt à le dire. C'est pas plus compliqué que ça, je crois. Mais pour ce qui est de le sentir, notez simplement... Je reprends Félix, en n'endosant pas tout ce qu'il disait, mais notez simplement la fierté, si forte et durable, que justement, elle n'a plus besoin de se proclamer. La fierté d'être devenue, de devenir chaque jour davantage et sans cesse dans plus de secteurs et plus de coins, partout. De devenir ce que nous sommes maintenant, une société de pointe, comme on dit en jargon. Qui désormais ne sciera plus que son bois, ne portera que son eau, partout où elle voudra. Partout où elle voudra, pour son eau surtout, mais à condition de respecter un peu les lois du marché. Et Montréal qui vit de toutes nos régions, mais qui aussi les alimente et les couronne, on l'admettra. Et cette ville dont quelqu'un, qui est à peu près exclusivement anglophone, mais indéracinablement québécois, me disait justement ce matin, Toronto, c'est beaucoup mieux qu'avant, c'est vrai, mais Montreal, that's for me. L'extension multi, enfin, deux fois 100 millions et plus, que le Musée des Beaux-Arts va prendre à même un complexe d'une grande société du Québec. Au cœur de la ville, le vrai cœur de la ville, bientôt l'Orchestre symphonique de Montréal. Il y a quelques jours, c'était les 75 ans des hautes études commerciales. La plus grande, la première de toutes les écoles de management du Canada, ça se discute même pas. Mais une, non, mais c'est vrai, parce que c'est une des deux ou trois d'Amérique du Nord qui sont les plus cotées, dont la bibliothèque est déjà la plus grande de toutes les bibliothèques, je crois, de économie. Et comme on a quand même, et je me faisais poser justement une question médical à propos d'une extension du musée, ce serait une trop longue histoire à raconter, mais comme on a quand même justement gardé, au-delà de ce goût absolument irrésistible de l'économie et du développement, au-delà de ce goût qui se développe sans arrêt pour la beauté, on a gardé quand même du cœur. Vous irez voir, moi j'ai été voir ça l'autre jour, c'est pas là encore, mais on peut le voir en maquette, ce qu'on est en train de faire avec la ville de Montréal, les Québécois, de l'ensemble du vieux Bon Pasteur. Qui va être à la fois un lieu de patrimoine culturel et un lieu extraordinaire au point de vue social. Je ne vous en dis pas davantage. Et puis enfin, sans quoi tout ça puis tout le reste n'aurait pas été possible ni même pensable. En tout cas, moi, je persiste à le croire. Il y a eu cette obstination à nul autre pareil. Il n'y en a pas d'exemple que je connaisse dans le monde pareil. Cette obstination avec laquelle on a retapé et surtout nettoyé la vie démocratique du Québec. Ce à quoi on s'était engagé dès le départ. Et qu'on a pratiqué tout seul pendant les années de vache maigre et qu'on a surtout continué à faire pendant les années qui auraient pu être dangereusement trop grasses depuis 1976. Vous qui presque tous étiez là,
Vous qui serez là dans quelques jours, vous savez que, vous étiez là donc, vous savez, que peut-être votre premier devoir dans ces quelques jours, et aussi longtemps que vous en serez quelque peu responsable, ce sera de garder la maison propre. D'abord. Ce ne sont pas les appuis, ni les yeux avertis qui vous manqueront. Vous toutes et tous, surtout, et on comprendra que je dise surtout, qui avez été des militants au sens le plus élevé du terme, vous allez continuer d'être là, aussi vigilants que jamais, mais peut-être un petit peu moins conseil du trésor, et parfois vestale presque trop farouche, mais vous serez là. Vous surtout, à qui je vais repenser aussi longtemps que ma mémoire, j'ai pas dit mais, j'ai dit ma mémoire fonctionnera. Vous vous reconnaissez. Vous qui avez payé de votre personne, de votre argent, et parfois même trop souvent de votre santé, pour encore tout simplement faire avancer ce si important et pourtant si simple projet de pleine et entière responsabilité nationale. Vous êtes ici dans cette salle, vous êtes à la maison, peut-être moins nombreux que certaines allées fastes, mais quand même partout, partout au Québec et pour partout pour le Québec. Bon, regardez-vous ici, chez vous, partout, et dites-vous merci. Comme moi, je crois que j'ai même le droit, non plus au nom du Québec, mais tout bonnement comme Québécois, de vous le dire également et du fond du cœur. Bref, je répète ce que j'ai déjà dit, sans aller jusque à oser imiter Sacha Guitry qui disait qu'il se citait pour mettre du sel dans sa conversation, c'est que je n'ai pas trouvé rien d'autre de plus bref jusqu'à nouvel ordre, à savoir que depuis 67, et le mouvement, et puis 68, et le parti, et puis 76, et le gouvernement, on n'a pas été un accident de parcours. Et il ne dépend que de vous. Il ne dépend que de vous, que de nous, de ne jamais le devenir. Ce pays que nous avons sous les pieds, ça c'est du Félix. Autant, au moins autant que jamais, nous devons préserver notre mot à dire dans son ascension et dans la direction qu'elle va prendre. Et là-dessus, je ne sais pas où j'ai mis ma dernière page. Là-dessus, aussi simplement que je le pense, que je le sens, et peut-être comme vous, là-dessus, tout ce que je voudrais ajouter en terminant, c'est ceci. On m'a suggéré tout à l'heure de reprendre la très belle chanson qui a été évoquée si admirablement et qui demeure si belle, celle de Stéphane Venn, « Aujourd'hui, demain nous appartient ». Bon. Je me suis permis de penser à autre chose. C'est encore une fois, mais peut-être une des dernières fois où je vais désobéir. J'ai pensé qu'on pourrait plutôt, c'est pas par préférence, c'est simplement parce que, pourquoi pas changer un peu, qu'on pourrait plutôt reprendre Jean de chez nous hein, dans un moment. Jean de chez nous parce que comptez pas sur moi pour l'entonner, j'ai fait ça une fois, je ne le ferai plus jamais. J'ai déjà été dans une chorale, croyez-le ou non, un chœur de chant, à 10 ans quand j'étais pensionnaire, pour apprendre à séparer les deux langues qu'on apprenait à la petite école là, en même temps, parce qu'on parlait ni l'une ni l'autre. Et j'étais dans le chœur de chant pendant 15 jours jusqu'à ce qu'ils découvrent où se trouvait la fausse note. Bon. Je demanderais peut-être si elle voulait bien encore une fois, parce que c'est tellement beau la façon dont elle le fait, à Mme Thibault, est-ce qu'elle est encore là? Bonjour. Je vais exposer pas tout de suite, c'est parce que j'ai juste un dernier mot, mais je vous attends, vous permettez? Parce que ce thème-là, qui est fort, qui est vrai, le thème de Jean de chez nous, est si fondamental que, prenons la politique devient
quelque chose de sec comme un bardeau, et aussi inadéquate qu'une vis carrée pour un trou rond, si ça manque, ça, en politique. Ça, c'est évident. Si on ne travaille pas pour les gens, on travaille pour quoi? Alors, ce thème-là, ben, je suis sûr que notre admirable chorale à si belle voix juste vont pouvoir le développer beaucoup plus amplement, parce que c'est ça qui est fondamental dans quelques instants. On leur a d'ailleurs accordé pas mal plus de temps. Je parle de temps parlé. Pour le reste, il y a eu de l'abus. Mais pas mal plus de temps parlé qu'à moi, alors ils vont pouvoir se déployer complètement. Et je vais quand même écouter. Je sais qu'il y a des gens qui guetteraient le moindre clin d'œil ou la moindre expression que je pourrais avoir. Et ça me rebondirait quelque part demain matin. Alors je vais aller écouter un peu plus loin, mais ça va être ma chance dernière de voir comment se développe ce thème sans quoi la politique veut absolument rien dire. Alors je vous remercie encore du fond du cœur. Au revoir. Et comme on dit quand on passe les cartes, bonne chance tout le monde. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est l'époque où se sont produits ce qu'on appelle les miracles allemands, japonais, coréens, taïwanais, c'est-à-dire le miracle de pays qui ont eu à se relever de leurs cendres et sont parvenus à sauter des étapes. Il y a souvent un avantage à partir de zéro, parce qu'on ne refait pas toutes les bêtises des autres. Ils sont repartis donc de rien. Et, je répète, Japon, Allemagne, Corée, Taïwan, ont réussi à se hisser au premier rang. Qu'est-ce qui nous dit qu'en l'an 2000, quelque part par là, l'ensemble francophone tout entier ne sera pas en train de réussir quelque chose d'analogue? Mais à une condition, très simple, à la condition, bien sûr, en attendant, d'avoir relevé et dépassé ce défi que pose la gigantesque machine anglo-américaine, avec ses non moins gigantesques ressources. Vous savez, actuellement, la francophonie est à la mode. Il ne faut pas que ce soit une mode qui passe. Vous savez, il y a les médecins francophones, il y a les écrivains francophones, il y a des troupes de théâtre à Limoges, c'est une espèce de sommet théâtral francophone. Et actuellement, c'est la mode. Mais vous savez à quel point c'est puissant, la mode? À une condition, c'est qu'on sache l'entretenir. Nous le savons, nous sommes, je l'ai dit en première ligne, cette mode... C'est une mode absolument existentielle, parce que dans votre domaine comme dans les autres, si la francophonie réussit, on a un avenir. Si ça tombe à plat, notre avenir risque d'être dans un melting pot. Merci beaucoup. Nous interrompons cette émission pour vous présenter un court reportage sur la carrière de René Lévesque. L'ancien premier ministre du Québec est mort ce soir d'un infarctus. Il avait été transporté d'urgence à l'hôpital général de Montréal. Jacques Camiran, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez à l'hôpital général. Bon, en fait, on a appris la nouvelle. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, on peut peut-être rappeler les circonstances de cette nouvelle tragique. On nous a indiqué que M. Lévesque, en cours de journée, avait souffert de quelques malaises, mais qui semblaient, en fin de compte, des malaises inoffensifs, légers. Et c'est au cours d'un repas avec quelques proches à sa résidence de l'île des Sœurs qu'il a été terrassé par un infarctus. Qu'est-ce que vous retenez le plus de ce bonhomme, René Lévesque?
C'est la même chose que tous les Québécois, d'abord, je pense. Un extrême amour du Québec. Et pour moi en particulier, qui ai travaillé avec lui, une extrême intelligence. C'était plaisant de travailler avec lui parce que ça allait vite, parce qu'il devançait les questions. Exigeant, René Lévesque. Oui, exigeant, mais pas tellement gratifiant non plus dans le genre de... C'est beau ce que tu as fait? On le devinait plus qu'autrement, mais moi, je sais que j'ai passé avec lui d'étapes où on avait de la difficulté à travailler ensemble jusqu'à une étape où, je pense, quand j'ai quitté le gouvernement, j'étais devenu très intime avec lui. On a senti, Claude Charron, qu'après le référendum, René Lévesque avait perdu un peu de son dynamisme, de son lustre politique. Je pense qu'il commençait déjà à trouver peut-être la vie publique, la vie politique, ben, écoutez, un peu difficile. Il a été extrêmement blessé par le résultat du référendum. Je vais vous raconter une histoire ce soir, c'est peut-être parce que l'émotion est là qu'on peut le dire. Moi, j'ai fait partie du comité de stratégie du gouvernement au moment du référendum. Alors, on travaillait d'arrache-pied à organiser ça pour nous assurer le meilleur résultat possible, comme n'importe qui aurait fait. On était 5 ou 6, 3 ou 4 ministres, puis 2 ou 3 hauts fonctionnaires avec nous. Et une journée où on travaillait, puis qu'on n'avait pas le temps de manger, on a décidé de se faire venir du poulet ou des pizzas, je ne me rappelle plus quoi. Et quand le livreur est arrivé, ben là, on en a profité pour prendre un break, comme on dit en québécois. OK, on tasse les papiers, puis on va manger. Et alors, c'est la seule fois où c'est arrivé, où quelqu'un a dit à l'entour de la table, combien pensez-vous qu'on va faire au fantôme? On est là qu'on travaille comme des fous, là. Comment vous pensez qu'on va prendre le pourcentage? Je vous dis tout de suite, aucun dans l'entour de la table a dit 51 ou plus. On ne pensait pas. Avec 20 % d'anglophones au Québec, c'était difficile de penser à 51 %. Mais on se disait à ce moment-là, et René le premier, je pense, on se disait, c'est quelque chose... Si on peut simplement sortir un coup de roue, là, 45, 46 % du vote, tout ça. Et on était tous dans ces chiffres-là, 44, 45, 46, les optimistes à 47, bon. Et quelqu'un dit, en blague, mais vraiment en blague, quelqu'un dit à un moment donné, 40 %. Et l'évêque, je me rappelle, était devant moi, au bord de la table, était déjà debout, et a dit, si on fait juste 40 %, on est aussi bien rentré chez nous. C'est sa vive intelligence, mais d'abord et surtout sa passion du Québec. Sa perte, c'est la perte d'un géant, non seulement dans la vie politique, mais dans la vie de notre peuple qui est ici depuis 400 ans. Pour moi, c'est l'incarnation moderne de Louis-Joseph Papineau, qui avait pris à son compte les malheurs, aussi bien que la fierté et la dignité de son peuple, et qui s'était juré qu'il le conduirait jusqu'au terme de ses espoirs et de ses aspirations. Et c'est bien ce qu'il a fait avec sa petitesse, mais sa vigueur, sa détermination, un peu comme Maurice Richard. Il disait, on ne viendra pas à bout de nous. Et il avait un contact profond avec le peuple, qui le reconnaissait partout, qui l'aimait, son petit poil d'amour, comme on le disait. Mais il avait cette capacité d'incarner dans des formules lapidaires et fières. Cinglant, parfois. Cinglant. Sa conviction que nous étions un grand peuple et que nous finirions par émerger des épreuves, des oppressions, des drames que nous avions vécus. Et il était convaincu qu'il saurait mener ce peuple jusqu'à son achèvement. Et il y a presque réussi. Est-ce qu'on pourrait terminer un peu cette soirée en chantant pour tout le monde ce qui reste la plus belle chanson québécoise à tous, sans exception, à tous les gens de chez nous? Si quelqu'un voulait l'entonner, moi, les gens du pays, moi, je suis pas tout à fait en voix, là. Gens du pays, allez, c'est votre tour.